Les 50, une candidate virée du jeu, Maëva et Julien Bert sous le choc, ZaTV. Beaucoup d'efforts pour une sortie par la toute petite porte. Depuis plusieurs semaines, les fortes têtes de la télé-réalité s'affrontent dans des épreuves inspirées de Ski Game pour sortir vainqueur des 50. Le jeu événementiel de W9. Un divertissement où tous les coups sont permis entre trahison, mensonges et tentatives de manipulation. À ce petit exercice-là, c'est Maëva Guénam qui a tiré son épingle du jeu en montant une alliance solide, composée principalement d'anciens membres des Marseillais. Mélanie de Digama et Jessica Herrero sont les dernières opposantes à avoir fait les frais de cette solidarité phocéenne, à laquelle s'est jointe bien volontiers Cynthia. Cette pimpante brunette faisait partie de la garde rapprochée de l'ex de Greg Yoga, jusqu'à être qualifiée par les autres de petit toutou. La place en finale de celle qui a embrassé Julien Bert pendant l'aventure était scellée. Point jusqu'à l'épisode du mardi 8 novembre. Alors que tous les candidats étaient réunis dans le salon, Cynthia a fait irruption pour annoncer, en larmes, qu'elle devait faire ses valises et quitter le manoir. Bon, vous savez qu'il y a des règles et malheureusement je n'ai pas forcément respecté les règles de ce château donc je vais partir, a-t-elle déclaré en sanglotant. Une nouvelle qui n'a pas manqué d'assommer ses complices les plus proches. Plusieurs jours avant cette séquence, le blogueur Sheyaradv avait fait fuiter des informations en ce sens sur son compte Instagram. Cynthia a été virée du tournage pour avoir fumé du SHT et des pétards, affirmait-il, ajoutant que sa consommation était quotidienne et tous les candidats étaient au courant. Mais personne ne voulait balancer vu qu'il fumait aussi avec elle au final. C'est le mystérieux lion, maître du château, qui l'a grillé.